qu'est-ce qui s'est réellement passé sur la route Monseigneur Nkongolo, Ravin Mbalawa Chitolo? Les détails, c'est dans quelques instants, mesdames et messieurs. Bonjour. Suivez mon regard. Anshayi kolai balma bakashi bamwenantanda buloba bujima nudi mukati mwa ditulonda mwana wa kanda bilomba Eva Patrick même mundongamu nyakwetu kwetukundela shaka kwa manzala kujanu kwetu twakula bimpa kwa kasai twakula bimpa kwa kwetu twakaja kwetu mwe bikengeji bwa tujifenyi tuji mungujima balenga bakushinta jiminu ngapa nungu palubwa lwa mbalwa chitolo nudi bamana kuumva bwa se lubwa nudi mungachi mwa jiluisha miji mwiji mungachi mwa jenzeka mvula umwenze kaji tuja makelela muloka jituja makelela munyanga kaja yimwa ya kumijimu kaji kimijimu yonso muno yibumvu wa mutu bwa ma explication abunu kala mwa kumvwa ba mutu muhungila makunyi batu bikala bafopa nkonku habwalo abu na nkunanga nanga ni bamanyi mela babikala mwa beba kwata mujimwe bimpa ni byakana muno ji munkachi mwa jilonda ni jimwana nyinu mwana bwase kujibintu bijibumbuka bilonde shela nguvilu anyingu kumvija kwa bamanyi mela hamwa ni ababalomboji ba chahwe chinu nkucha safrimex nanga ovede jumikalu batanyila baleji bwase miji mwiji minyanguka kayena na nshayi kumbana cha makumi atano cha makumi asambu mbu ni miji mwiji mchalu nashi nkamu wabaka kesa kajikika la kapeta lutatu kajikoku waka kajincha bakufila lunge nyini menji kujibaji bakuata mujumbu wa mwana wakua aluja mijimu yonso mujibi kengejibu kibwa chingenyi twaje mbwa se tunwesha butoka ha mijimu iji munkachi mwa yitakana mwa benu ndonga mu mwakwe tukwetundela nasheba kwa manzala uja munkwe apa tubima nyina tuji mumbalo wa chitoro tetu babi mbabi leja munga mana huno ambira bwase ulo mumbuji mai kuimuma na nanyi mwana wakande bilo mbasege kwena mundu watu mbako shimi nyina nitu ikala mwa konshi kunyunguluka ni kumwana bulenyi buchama bwa mijimu iji munkachi mwa jenzeka ni kumwana mujimvula munyanga tumotwa ku miaba ivumikala ikadi mienza ha lubu enunku lwa mbalwa chitolo mbalwa chitolo jipenyi wabajika baba manya to tujibikala fanka chinkachi wa komina ibichi tujimukomina wajulu ni komina wa bipemba njile kijimuko solola umbuka kwa kakutu tuvila ukala luankata uweka uyemufika fachombela nojiba manya bimpa mwoni machombe watetu baibale jibwa kala kaka monima wa chombela tubama wa chombela mwimbi wa ngoma monima wa jumwabu hao tubanda kuja bakashi tuko nyawa kuya batanyila mubifemba mujibika la balongo lola njila mwata tukanyini jabaluma chaba finga na kuko hidro koko weka ajika bikuya kabu jimbwa njile u njile munena bamubi kila kabini monsenye rankongo yeya mufweka mutu wangana ujumu wa kutu wangasha bipapu ebinu nkweo tujimu mbujimai kwe tukundela nashaba kwa mbanzala kuja nkweo tuwa minitu ya magulekela bamwena ntanda wajabamwana bena mijimu ya bamwana mwakumvija lwa bulumono mwono kanda bilomba Eva Patrick mema on se retrouve tout juste après mwena mwaji musomba lwa mwabakai tuji mwena mwaji wabakalemu wabaji nenda kabena bananga kwenda champu haya chaka tobu jamba ningenza mwini wabatu chaka tobu lala mwana ela wetu wagu siku imba kwani wagu mulenda nikelunda wabaji nenda. Ce qui se passe, ce sont des choses que nous attendions, mais pas sous cette ampleur-là. Les quelques petits dégâts que nous avons sur le 10 ou 20 mètres d'ouvrage seront récupérés rapidement. Mais nous allons continuer à attendre encore quelques pluies avant de remonter et de faire jonction avec le grand collecteur qui est en béton armé. Le collecteur qui a cédé, l'option a été prise qu'il soit construit en maçonnerie de moellon parce qu'il se trouve sur la terre ferme et n'est pas sur le remblai d'apport. Mais celui que vous voyez en béton armé qui est en train de monter, il est sur le remblai. C'est comme ça qu'il est fait en béton armé avec un enrochement
en dessous. Donc voilà un peu la situation que nous connaissons sur Monseigneur Kongolo. Et nous voulons vous rassurer que l'entreprise est à pied d'œuvre. Ce sont des dégâts mineurs, des travaux de lutte anti-érosive. Hein. Nous sommes aussi en lutte anti-érosive, il faut le souligner, que l'entreprise est en train de rattraper avec brio. Je pense que nous avons déjà vécu quelque chose en ce sens, mais en miniature. Nous l'avons vécu le 18 janvier. Oui. Nous avons connu des cas comme ça, oui. Et ici à Mer aussi. À Mer aussi, effectivement. Okay. Effectivement. C'est parce qu'on fait les travaux pendant la saison des pluies. Tout à fait. Et c'est tout à fait normal. Tout à fait normal, effectivement. Merci. Nous, ici, il y a eu déjà effondrement. Oui. Là où se trouve la bétonnière, comptait environ 100 mètres de là. Il y a eu, avec les premières pluies, il y a eu quand même... Il y a eu un premier effondrement et peut-être ça, les journalistes n'ont pas pris ça en image. Ce phénomène, nous l'avons déjà connu ici avec la première pluie, mais ça n'avait pas atteint les ouvrages. Nous avions comme ça un onde, une sorte d'onde circulaire, un affaissement de terre. Pour nous, nous trouvons que c'est mieux parce que c'est un tassement hydraulique et nous sommes contents de ça. Nous attendons d'ailleurs ça avant de faire passer les engins pour faire le compactage parce que, il faut le dire, ça va retarder un peu les travaux des chaussées aussi. Nous allons attendre qu'il y ait suffisamment de pluie, peut-être une saison, avant de commencer les travaux des chaussées parce que tous les remblais que nous faisons, les gens peut-être semblent oublier. À la tête de Monseigneur Kongolo, nous étions à plus de 36 mètres de profondeur. Vous avez un remblai de plus de 36 mètres, vous n'allez pas y mettre des ouvrages comme ça, là va vite. Nous avons besoin du temps pour qu'il y ait suffisamment de consolidation. Et ce qui se passe dans le cadre de la consolidation. Mais il faut souligner aussi qu'il y a des poches d'effondrement qui sont alimentées par ces eaux en surface qui sont réactivées. Et nous les remblayons. Est-ce que les eaux ont été détectées ? Bien sûr, là où il y a la pelle excavatrice, c'est une zone d'effondrement qui a été alimentée par les eaux de surface, qui s'est réactivée. Nous sommes en train d'amener les matériaux graveleux, les plus 25, que nous allons damer là-dedans avant de remettre le radier. Notre délai ici, c'est 30 mois. Donc, on ne saura pas s'inquiéter sur le délai. Le délai, il est de 30 mois. À compter à partir du 1er janvier. Vous avez dit ça atteint un peu comme la longueur de la partie en mer. Ah, ici, non, c'est environ. Le tronçon là, c'est des parts et d'autres, nous l'avons sectionné. Mais on a coupé jusque là, on a vu les fissures, ça peut faire 15 ou 20 mètres. Oui, oui, c'est quelque chose comme 15 mètres. Donc, de ce côté, c'est environ 10 mètres. Mais disons, nous avons longé partout où il y a eu des problèmes. Puisque même ici, l'eau a longé. Il a fait le dégât ici. On peut plus bien voir un tableau ici sur la parente. Nous avons visité ici samedi passé, c'était en cours. Bien, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Effectivement, nous sommes sur le chantier de Monseigneur Kongolo, où il y a des grands travaux qui s'opèrent sur un ancien ravin, où il y a des travaux, tous les travaux de lutte anti-érosive, tous les travaux de maçonnerie. Donc ici, on est en train de faire des collecteurs de part et d'autre. Et nous avons été surpris quand il y a eu la pluie. On nous a dit qu'il y avait des dégâts ici. Et l'ampleur telle qu'elle a été racontée, telle qu'elle a été annoncée par le commun du mortel, nous laissait croire que tous les travaux effectués depuis le début, tout Mbalatitolo était parti. Et effectivement, nous sommes venus. Nous avons vu que la pluie a dérangé seulement une bonne vingtaine de mètres où, avec la pression, avec l'eau, il y a eu effondrement de quelques parties de l'ouvrage. Mais en observant, il y a eu plus de peur que de mal. Ça, ce qui est arrivé en matière technique, on parle des effets collatéraux d'un chantier. Nous sommes sur un chantier, j'ai dit que c'est un site
d'érosion. C'est un site érosif. Et sur ces sites-là, il y a des travaux de remblayage, il y a des travaux de compactage, il y a des travaux de diverses façons. Il y a des endroits où on utilise des matériaux durs, par exemple des moellons pour faire les collecteurs. Il y a des parties où on prépare les collecteurs avec des murs en béton sur un radier. Maintenant, s'il y a des pluies qui arrivent pendant cette période de pluie, ça peut déranger les parties remblées, l'eau peut s'infiltrer et déranger les ouvrages. En fait, ce qui est arrivé, c'est tout à fait normal. Et Dieu merci, ça fait du bien quand ça arrive pendant la saison des pluies. Parce que la pluie nous permet d'inspecter un peu le lieu, la pluie nous permet un peu de voir ce qui se passe et on peut corriger. Imaginez-vous, ça arrive pendant la saison sèche, vous avez terminé, vous n'avez pas eu des failles. Dès qu'il y aura une grande pluie, vous êtes cuit. Mais ici, la pluie nous a permis de corriger, là on pouvait corriger. Tout est comme qu'il dit, ou à mon sonnerre congolo. Quand tu es un midi, il y a d'ailleurs nous comme on. Midi, il y a. Il va quand il y a un jibato. Quand tu finis de tout, tu ne m'as qu'un d'abouillens. Quand midi, moi, tout est tout. Ni secondo c'è un vola, tutti mon vola, tutti tu yenza, ni makanda ons. Vola wa loki, bo akuma sonere kongo le kim vola wetu akumpal. Bo alu tu vola tu kwa vtons tu vtu loke tu, katu vtu yenza chinto to. Kaji modi yenza dieti di amango mi di abu ingegner tu vama ni mai ons adafu makara luanga tu atumako. Kuja paka si dieti eko. Kadi mo abatu bumbu shila maya de kuja abalu mo kwato ma kuja baka shi kashila ku ka kachinta mana e pui maba mabwela momo mai kula kututa konta ku kuya hambel ki kula kuti sambu ku abatu tu bakila e ku kutu tu bakila ifali ku kala ku impa kuma kadi maya alu enje mo abe kwenza vunda vunda weba wawo. Kubela mwishi mwa tisombedi chadra cha mukiti ki kusukula 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 byonse hadi maya vule kuima kontrole maya to makalenga ni kalande katuri benze kuja bakashiko alo dibadi chimanu cha kalande chitu tubiga mfase ni parwa cha hadi shindi maya onso asi achu bukidi mo mumukiti dibari kwena makwa kontrole to momene abanyi kwenda kulonda mwabonsu de musene adi adi na bwele kwena makwa mbeni we mai lwakwa ni mwaboni mema mukulesha to kimu de meza ko kunyanga myaba omwa ibidi isatu inai munjile mno kadi myaba minyao kamikes neto meso abo ingenieur bomo de kulu kwina tumana ni kwaka makanyi. Je crois que matuko abuni matuko manda mtaket natu kala déjà mena kweta ku hinga mai kala hita kuja bakashe facilement kaya to déranger to kadi bumu tudi muchikonde chamvula bene natu banga ku ibaka tutangila ku tibaka tutangila ku zwenda tuyanda mnamu. Très bien, Fumu, et toi? Oui, toi, papa. Il t'a déjà accouché, même mangi, moi, dans le camp de Bilomba, Eva Patrick. Et yo, même mangi, Chambou, Pascal, Mkongolou. Il m'a dit, il m'a dit, très bien, Tatu, Pascal, oui, moi, au Dimou, quartier, quand j'ai. Société moins à Bakwenza, bangage bantu babuni bwa tuka teja ta onvu ndimo lenyi service kambo a midi moyo a zero mona mujibiko sekana mwinjile partout nangu bangage.
engager bantu babuni ba relier moi beu vula mi kwayo miloka ko kumweka biji evenement bununguto ichingi ndomba na ngungi ndomba bana betu bena safimex ba engager bantu babuni balekele mjumu ya manevre mjumu na bantu ebenze mjumu kama utuka bantu bakesi même moi be moi buji madeka mai mabi taila nu vula mukesi mjumu loka muji bikose alors ndomba ku bana betu aba ba ite bonne foi wani ba engager bantu babuni boy moi be ka mjumu ka uluka ka unyang ki to bonu jile unjile utu ba espere boy jile ye muji Ok. Tu as ce qu'il en fond. D'accord. Ça va. Même à dire un gentil bâchaki. Mamoutou. Chef Foucarche a joué Moukarche ou Kachamade. Très bien. Moukomina Wajul, Moukaba ou Ben. Très bien. Chef Foucarenda, Moudifigila Moabeu. Ou du Moukouana, Midimidi, Takan Moukarche. Soudio à Moukarche. Même à dire Hawine Karche Kany, Karimouga Landombol. Très bien. Hadi Mouana, Midimidi, Moukach Mouadienzeka, Nivou du Mouloka, Moudibian Squenzeka. Nunku ngere lwe bomenju dicinyi badiba kulonda bwo bushima ngo nyimfuma gitumwa to ngere jya yuwa menje engineer akateke chito vulanji bajen vula wudi wense bilela byenda bya chibi chilo na ngwe engineer eke na mwakuteka to to ya bwa taila mu kumpala ke bayi bene mu jumu babunyi baba jira ko kuna shadi foto di foto di di wi mil franc muntu ni baka jini ban mona lelo ka chabwa chaba di benza mu chimu na chamai mina kuna kayena Nagwami like Moma, you are Kanyin, Chisekedua Mulum, Kabula Mpuka, Ela Menjibua Quit, Quetuna Shabakwa Banzala, and one Waka Jaquin, Walaka Quen and Mukwa, Walago to Enzela to Tribamania Bwani, Chisekedia Musiki Jewunshi, Kwabu Bariba Museka Payos Nayi Musek, Bambani Monaka Bukim Wenzato, Nagunera Bago Batoka, Mwambilai, Moma, you are Kanyin. Alengesha kwabu mwafeni mosinyera nkongolo mulubalo achito kupolo kakwena mukwabu walo kumwenzela to ye mwenzerera nchilumbu chenda niba museka kuti bapolo kakame babuseka kuti bantu bose bari bafilakana makalenga kuntu kwakana kabo pinjeu bwabajibula babujima bana betonswa kabumuka bakanye ntanta bajimenja bumatumanu kujumwana mbalo achito lujumwa kubambila chinyi bajimenja bumatumanu mumbujimai Tinga na yuko neko, eum bulaba bwabufuk, bulaba bwabankambu. Mwezi zulufuila bulaba mbwabu yibwa mabanja jukwetu. Kwenye nashaba kuambanzal, tinga na yuko tuku neko. Mwabu tuli tuenda nene, kavuanjila to. Kuchila kumwamba iwa kani nda tu gadi tuenda. Societe mashini bitule bihuwa, badeli taba engineer bitule bahu. Kitoko. Très bien, ok, bimba bileja.